c'est les Français que nous parlons de l'histoire ou de la politique. Non, nous allons fouiller dans les spirituels pour la libération de nos esprits et de nos âmes. Nous allons découvrir beaucoup de choses au travers de ce séminaire. J'aimerais vraiment que vous soyez très attentionnés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'identité spirituelle de l'esclave. Vous avez été avec nous le dimanche à l'introduction. Nous vous avons montré comment ce pays a été possédé d'abord par un sorcier. Comment il a travaillé pour prendre ce pays et le mettre à la disposition d'un roi, le roi Léopold II. Nous tous ici dans ce pays, si nous regardons notre arbre généalogique, nous avons été des sujets du roi Léopold II. Il pouvait disposer de nous comme il voulait. Et vous allez découvrir dans l'histoire que grâce à notre pays, au 19e siècle, la Belgique était la deuxième plus grande puissance industrielle après la Grande-Bretagne. Belgique est à la qui Et comment la Belgique est devenue une plus grande industrie mondiale? On venait puiser toutes les richesses de ces pays. On faisait marcher des gens avec des richesses minières à la tête de 30 kilos. Parfois, ils marchaient 30 kilomètres et se relayaient ainsi de suite jusque là où se trouvait la mer. Bazalaki kotabisa bato na ekolo yo na kilo na moto ya bakita ekolo na biso bale kosala ba kilomètres tukubisato pe na sima mosusu azwi te tango bakokoma na mai monene. Et je vous ramène dans l'histoire. C'est pour que nous ayons une autre dimension de la prière qu'on va faire ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi le roi Léopold II a pu céder notre pays à la Belgique? Il s'était enrichi, il était devenu très riche parce que cet espace lui appartenait et les richesses. Mais il n'a pas voulu que les Britanniques et les Allemands viennent aussi puiser dans cet espace. Alors ces deux États ont commencé à faire des puits sur la manière dont ils géraient les populations de notre pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il mettait des gens pour extraire les richesses minières. Vous pouvez les découvrir dans les livres d'histoire. Lorsque ces gens n'étaient pas performants, lorsqu'ils n'atteignaient pas ce que lui cherchait, il les coupait les mains. On coupait les mains. Et la Grande-Bretagne et les Allemands ont commencé à faire des bruits sur la manière dont on maltraitait les Congolais qui habitaient ces pays.
Grande-Bretagne, l'Allemagne, par exemple, ça a le mingi, le lege, oh, par exemple, qui connaît, par exemple, c'est pas peur de ce bruit-là. Mais la compagne a maquillé le wana. Qu'il est venu céder ce pays à la Belgique. Il est allé à l'école, il a appelé à bon école Belgique. En 1908, lors de la conférence de Berlin, et la Belgique a pu hériter de ce pays. C'est là où l'État indépendant du Congo est devenu Congo belge. Nous sommes sortis d'une domination d'un homme et à une domination d'une nation. On va voir dans ces séminaires comment la domination d'une nation peut jouer sur un peuple. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer, quand on est esclave, quelles sont les conséquences spirituelles qui viennent habiter en vous. C'est très important. Là, je suis en train de vous donner les bases de notre enseignement, comment nous allons prier. La délivrance, ce n'est pas seulement une force qui vient de sortir d'une situation. Mais la délivrance, c'est d'abord la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui veut être libéré doit d'abord s'armer de connaissances. Qu'est-ce qu'un esclave? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un esclave? Aujourd'hui, nous voulons aller chercher des informations spirituelles sur l'identité de l'esclave. Vous qui êtes avec moi, nous avons dit que nous tous, nous avons été vendus comme des esclaves. Nous étions la propriété d'un individu. Puis nous sommes devenus la propriété d'une nation. Et puis on nous dit que nous sommes indépendants. Et les conséquences spirituelles de ce que nous avons été, est-ce qu'elles ont été levées? Est-ce que ces conséquences ont été levées pour que nous parlions de l'indépendance? Je vous ramène dans l'histoire de Joseph. Parce que l'histoire de Joseph ressemble à l'histoire de la RDC. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37. Nous allons lire trois versets, le verset 23, verset 24, puis le verset 28. Et puis nous allons lire Exode 1, du 8e au 11e verset. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. 28. Au passage des marchands madianites, tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Exode 1, 8 à 11. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse
et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. La parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Acclamez. Acclamez et poussez les grands cris de joie. Suivez-moi attentivement. Ici, nous sommes en train d'analyser et d'essayer de comprendre le cursus d'un esclave. Awa, tozali ko. On a peko manjola, oyo lili, oubu, direta li karakanebo. Comment un homme libre va basculer dans l'identité d'un esclave? Yenge nini moto ya bosomi, akoki kokoma na bo moto ya bo oubu. Joseph avait une destinée prophétique. Joseph yé azalaki na bokisi moko oyo ya esakoli. Son père le voulait comme un leader. Il lui a donné un accoutrement que tout le monde n'avait pas. C'est ce que la Bible appelle la tunique de plusieurs couleurs. C'est un peu l'image de notre pays, la RDC. Le Seigneur nous a donné des richesses que beaucoup de pays n'ont pas. Comment Joseph, ce garçon que Dieu a préparé pour être l'étoile brillante de sa famille, a basculé dans l'esclavage? Joseph et les gars mobiles ont eu zappé à Bongisaki pour être à la montante à Kongengali Botanaye à Koma Moumbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on dit les kaki. C'est d'abord la sorcellerie qui n'a pas voulu que la destinée prophétique de Joseph se réalise. Et ça, il y a un libosse qui donc qui a été là qui était à Bongisi, il y a Isakoli, il y a Joseph. La RDC doit savoir que la sorcellerie ne voudra pas qu'elle entre dans sa destinée prophétique. RDC, c'est que l'icône va être qui donc qui est collinaté et y a quoi qu'on dans la bongisinaïe. Le premier ennemi de ce pays, c'est d'abord les forces des ténèbres, c'est la sorcellerie. Le premier ennemi de Joseph, c'était la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie est entrée en action contre Joseph, pour changer son statut d'un homme prophétique pour le ramener dans la dimension de l'homme esclave, la première chose que les sorciers ont fait, ils ont commencé par les dépouiller, les rendre pauvres, les dépouiller. Dans le verset 23 du chapitre 37, on dit ses frères les dépouillèrent. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans un pays dépouillé. Nous avons perdu les valeurs. Dans ce pays, quand quelqu'un devient ministre, il pense qu'il devient riche. Il pense qu'il faut qu'il marche sur les autres. Parce que les valeurs sont dépouillées. Les gens sont dépouillés. Regardez par exemple sur le chemin que nous marchons, sur les routes que nous marchons, les artères que nous empruntons. Les gens qui doivent donner l'exemple, ce sont d'abord les autorités. Mais vous allez voir dans ce pays, les autorités
l'autorité marche au-dessus de la loi. C'est un qui marche dans le sens contraire. C'est un qui emprunte le chemin que la loi interdit. C'est un qui dit qu'on ne peut rien me faire parce qu'ils sont déjà dépouillés. J'ai voyagé partout dans le monde. J'étais à Washington, D.C., là où il y a la Maison Blanche. Où on voit le président le plus puissant du monde. J'étais dans cette ville à plusieurs reprises. Je n'ai jamais vu. Lorsque vous entrez à Manhattan, Manhattan c'est la grande ville de New York. C'est subdivisé en rues. Et il y a des embouteillages impossibles là-bas. Parce que vous devez traverser un pont et arriver à Manhattan. Je n'ai jamais vu un ministre ou soit un homme d'État ou le président de la République avec sirène en train de dire quitter le chemin et tout. J'ai fait plus de 10 ans chaque année j'allais aux États-Unis. On me dit ça, regarde le gouverneur. Qu'on me dise que regarde le gouverneur. Regarde le secrétaire d'État. Jamais. Pas un seul jour. Jamais. J'ai voyagé en France. Je n'ai jamais vu à Paris qu'on est en train d'évacuer les véhicules parce que le président arrive. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Mais lorsque vous êtes dépouillé du bon sens, c'est lui qui est censé conduire les gens, il conduit comme si il est venu pour les maltraiter. Je ne condamne pas ces gens. Mais je dis la source est spirituelle. Joseph qui devait être la tête de cette famille est dépouillé. On dit les sorciers, ses frères l'ont dépouillé. Il n'avait plus rien. Et lorsqu'on l'a dépouillé de sa tunique à plusieurs couleurs, on va le jeter dans une citerne. Et on dit dans une citerne vide. Lorsque l'ennemi veut te sortir de ton statut pour te donner le statut d'esclave, il te dépouille de ta mentalité, de tes projets, de ton honneur, et il fait de toi quelqu'un de rien. Joseph s'est retrouvé dans une citerne. Ça veut dire dans la pauvreté, alors que Dieu avait écrit prophétiquement que c'était lui la tête. Regardez tel que nous sommes ici. Beaucoup d'entre nous, ce sont les anti-valeurs qui sont dans nos têtes, qui constituent la base de notre richesse.
S'il y a de l'argent de l'État qui doit bénir l'État, les gens calculent comment détourner cet argent pour qu'ils deviennent riches. C'est-à-dire qu'ils bâtissent leur richesse sur les antivaleurs. Ce qui est allé dans le bateau, ce qui est allé dans le bateau, l'État, pour la consommation, pour la compagnie, l'État, est allé dans le bateau, pour la consommation, pour la consommation, pour être massa la bombe pour la bambou. Joseph est dépouillé. Joseph, papa, toi qui est ignoré. Et lorsqu'il est dépouillé, lorsqu'on l'a amené dans la sécheresse, dans la citerne, vide. Nous acclamons. Mettez la colonne à mon corps. Maintenant, par la force de la sorcellerie, ils savent déjà que Joseph ne représente plus rien. Ils disent maintenant, vendons-le. Il n'a plus de ressources. Il n'a plus de force. Nous allons le vendre comme un esclave. Beaucoup d'entre nous, nous sommes vendus à l'impudicité, nous sommes vendus à tout ce que nous faisons contre la parole de Dieu, c'est parce que le diable a commencé par nous dépouiller. Ce soir, il faudrait que nous puissions nous lever. Dire à l'ennemi, tu ne me dépouilleras pas. Tu ne changeras pas ce que Dieu a écrit sur ma vie. Vous savez, Joseph s'est battu toute sa vie pour que sa destinée prophétique ne meure pas. Vous allez voir la vie de Joseph, malgré que ses ennemis étaient plus forts, malgré qu'il les menait partout et essayait de l'éloigner de cette terre de bénédiction. Joseph s'est battu pour que sa destinée prophétique ne meure pas. Ce soir, toi tu es Joseph de la RTC. Toi qui es dans cette salle, tu es Joseph de la RTC. Tu vas te battre pour que ta destinée prophétique ne meure pas. Ce que Dieu a écrit pour toi, que le sorcier ne l'annule pas. Ce que Dieu a écrit pour toi, que la condamnation est ta famille ne l'annule pas. Ce que Dieu a écrit pour toi, que les forces qui agissent dans ce pays ne l'annule pas. Je t'établis ce soir, Joseph dans ce pays, quel que soit les vents qui souffrent, quelles que soient les difficultés qui sont sur toi, quelle que soit la manière dont les sorciers te combattent, tu es Joseph de ce pays. Tu es Joseph de ta famille. Les sorciers n'auront pas raison de toi. La volonté des sorciers ne s'accomplira pas. Ils ne déchireront pas ta tunique. Ce que Dieu a écrit pour toi ne changera pas. Ce que Dieu a prononcé pour toi se réalisera. Tu te battras. Tu ne reculeras pas. Tu te battras pour que les anciens ne puissent pas avoir raison de toi. Ils ne te dépouilleront pas. Ils ne changeront pas les plans de Dieu pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es Joseph de ta famille. Tu es Joseph de cette génération. C'est toi, Joseph. Ils te combattent parce que tu es Joseph. Ils veulent changer ton histoire parce que tu es Joseph. Cela n'a
n'arrivera pas. Cela ne s'accomplira pas. Qui croit cela? Si tu crois cela, pousse un grand cri de joie. Lève-toi. Nous allons prier. Tu vas faire cette prière. Yo Satana! Yo Satana! Yo Kamongongonanga! Yo Kamongongonanga! Ma bongi sinyo sozo sala! Ma bongi sinyo sozo sala! Pour changer histoire nanga! Pour changer histoire nanga! Nganaza Joseph Yalibota nanga! Nganaza Joseph Yalibota nanga! Eko koki samate! Eko koki samate! Eko koki samate! Eko koki samate! Allez, banda, kobunisa! Force Nyos! Oye, ligazo kisona sima! Oye, ligo même sa vie na yo! Ozali esclave te! Ozo beta maboko! Ozo niata na se, okanga morokote, ozo loba, force nyoso. Oye linge mebao de esclavagisme, oye linge kangaona boumbu, oye linge kausa bomo inayo, oye linge bebi sa bomo inayo. Niata yango, buka yango, banza yango, ozo kabwane yango. Au nom de Jésus, etika yo, ma force wane ekindoki, etika yo, ma force ekindoki, etika yo, ozo niata yango. Ozonia tanase, ozobeta maboko, etika yo, au nom de Jésus, kabwana yango, ozo kabwana, naba force akindoki, we linge maintenir yo, naba umbu, we linge maintenir yo, na maladi, we linge maintenir yo, na botutu, we linge maintenir yo, na kolera, kabwana yango, au nom de Jésus, ozonia tanase, kabwana yango, au nom de Jésus. Ozo kabwana Yoka Ozo bonde la biente Yo koloba Bino bandoki Eza la libota langa Eza la ebibinote Boko longo la plan Enzame na bomo inanga ite Esko zo kamamula zo lwana o Amen O koloba Bino bandoki ya mokilio yo Bino bandoki ya mokilio yo Boko efase plan Enzame na bomo inanga ite Boko efase Au nom de Jésus, le mot qui est ma noki, le mot qui est ma sorcier, qui est ma sataniste, qui est ma occultiste, qui est ma démon, qui est lié au gola, qui est la maoyo, la maladie saio, qui est le kokata, le mot qui est là, et katana, au nom de Jésus, vous avez été maroco, vous avez été tracé, vous avez kata, le mot qui est là, et katana, au nom de Jésus, le mot qui est ma noki, le mot qui est ma noki, le mot qui est au nom de Jésus, oye bango te, omone ango te, kende ko kata mada. Amen. Joa semence moko, okoloba, plan zambe ko koufate na vinaga, plan zambe ko change te, eko change te, na kotika la kaka o zamba lobaki, eko change te, na zamo bali, esengeli na pagwaba. Et c'est le maman qui a été ton gabatako. Et qu'on change de. Dans un mois, il faut la bota. Dans un mois, il faut la bala. Il faut la simbabana. Et qu'on change de.
Regardez comment on sort un homme libre de son statut d'homme libre pour l'amener au statut d'esclave. Lorsque cet homme est dépouillé, on l'amène maintenant dans la citerne vide. Ça veut dire qu'on t'amène dans la sécheresse, dans l'incapacité. Regardez la RDC. Un grand pays comme la RDC se fait mener en bateau par un tout petit pays comme le Rwanda. Pourquoi cela est possible? C'est parce que d'abord, on a signé un embargo que la RDC ne peut pas acheter des armes. C'est-à-dire le peu des armes que nous avons, nous les trouvons dans des circuits qui ne sont pas conventionnels. Mais le Rwanda est surarmé. Et nous sommes dans la citerne. Dans une citerne qui est vide. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu n'a pas écrit. Tout ce que Dieu n'a pas écrit peut être changé. S'il y a des gens qui vous ont conduit dans une citerne, nous pouvons demander à la puissance de Dieu d'ouvrir cette citerne. Nous pouvons demander à la puissance de Dieu de fissurer cette citerne, détruire cette citerne. Toute personne qui est prisonnière d'une citerne, citerne familiale, citerne de méchants, que ce soit que cette citerne s'ouvre, on te t'aime, banda de ton boga, citerne de souva, banda de ton boga, yes à mon bouté, on continue quand la citerne était. Papa est un pauvre, yo sa pauvre, maman est un pauvre, yo sa pauvre, papa la tangate, yo pour tangate. La naga, si tu es venu au Macaboué, papa la routine est à Koufi, à côté de la fiancée, à qui la porte, yopé, aux attaques de la passeport, aux attaques de la citerne. Papa la tourne à côté, yopé, au tourne à côté, aux attaques de la citerne. Papa la yo, à ça va faire à Kouéa, non pour Kouéa, à Mikolonioso, tu es dans une citerne, vide, le lot. Au nom de Jésus, Seigneur Léoné Pasuka, Seigneur Léoné Pasuka, au nom de Jésus, et Bandana, au nom de Jésus, que les Pandango, Seigneur Léoné, Yalibota, oui, mais mon astérilité, oui, quand ça on a incapacité, oui, quand ça on a maladie, oui, quand ça on a choléra, n'a qu'au quel est là, que les Pandana,
au nom de Jésus, et Pantana, la combo na Yesu, citerne, on est Pantana, au nom de Jésus, citerne, Oba Memayo, Oba Kotisayo, Keneko Panta, Pantango, et Pantana, au nom de Jésus, et Tobuka, au nom de Jésus, Keneko Beta Maboko, Ozoni Atanase, les Losse de l'eau, citerne, on est Tobuka, les Losse de l'eau, citerne, on est Pantana, les Losse de l'eau, citerne, on est Pasuka, au nom de Jésus. Ozobeta Maboko, et Pasuka, au nom de Jésus, et Pantana, au nom de Jésus, et Pasuka, Beta Maboko, Odonia Tanase, c'était la Kindoki, c'était la Libota, Oba Kanga Libota Mobimba, Oba Kanga Moinayo, Oba Kanga Moka Mobimba, et Pasuka, au nom de Jésus, et Pasuka, au nom de Jésus, et Pantana, au nom de Jésus, Beta Maboko, Beta Maboko, Odonia Tanase, Ozoki Mamam, et Pasuka, au nom de Jésus, et Pantana, au nom de Jésus, et Pasuka, et Sengele Pasuka, et Sengele Pantana, et Sengele Yobima, Pastor Yango, Yobima, Pastor Yango, Okene Kobota, Pastor Yango, Okene Kobala, au nom de Jésus, et Pasuka, au nom de Jésus, Amen! Amen! Okobete a Yesu Mamoko Okofana. Suivez-moi attentivement. Pourquoi dans un premier temps nous ne prions pas pour le pays d'abord? Il faudrait d'abord que le pays puisse avoir des soldats qui vont le défendre. Le soldat, c'est cette entité qui est mise à part. Nous sommes en train de nous préparer à être les soldats qui vont défendre la RDC cette année. Voilà pourquoi vous devez sortir d'abord de la condamnation. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Que nous puissions sortir de l'esclavage. Nous avons vu avec Joseph. On a commencé par les dépouiller. Puis on l'enferme dans une citerne. Après la citerne, maintenant on va aller le vendre aux marchands. Les marchands matianites. Vous savez, pour que Joseph devienne esclave, les sorciers de sa famille ou ses frères, ils ont perçu quelque chose au travers d'une opération. Pour que la RDC devienne un pays esclave, il y a une opération spirituelle qui s'est opérée. Mais nous qui voyons les choses spirituellement, nous allons aller détruire toute opération qui nous amène, qui amène ce pays à l'esclavage. Nous allons aller détruire les contrats qui ont été signés, qui nous engagent. Pour que nous, nous soyons des esclaves. Nous allons aller mettre au feu toutes les signatures qui ont été émises sur les contrats. Nous allons dire tous les sorciers qui ont engagé notre vie pour que nous devions des esclaves, nous ne les avons pas engagés. Ils n'ont pas reçu notre aval. Nous allons dire tout acte qui m'a conduit à devenir un esclave, je renonce à cet acte. Que cet acte soit nul et sans effet. Qui croit que les résultats vont tomber ici? Qui croit que Dieu va agir? Tu dois te lever. Au Coloma. Montagnasso! Montagnasso! Ndokinyasso! Ndokinyasso! Oh, t'es qui m'a mis là? Yoka décision nanga. Yoka décision nanga. Natinda yote. Natinda yote.
Natina yote. Natina yote. Nasa kotele la. Nasa kotele me la. Kontranyo so sinya. Kontranyo so sinya. Nase amabele oyo. Nase amabele oyo. Nase amayi. Nase amayi. Na zamba. Na zamba. Na mboka. Na mboka. Kontranyo epasuka. Kontranyo epasuka. 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 Ale banda kopata. Pata. Keneko panda. Keneko pasora. Kontranyo son. Oba sinya. Nase amayi. Nase amabele. Eza anakunda. Na zamba. Nikolo enzete. Kontranyo epasuka. Epandana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, contre Bandoki, contre Bandoki, Eza Bandoki à Libota, Eza Bandoki à Congo, Oba Signa, Pombo Carabiso, Ekota la Cité, Oba Teka Mboka Rabiso, Oeba Yango, Eba Yangote, Nakombo na Yesu, Keneko Panza, Keneko Pasola, contre Nabango, Epasuka, contre Wana, Epandana, contre Wana, Epasuka, au nom de Jésus, Ozo Panza. Ozo pasola, contre Bandoki, contre Bandoki, pasola yango, panda yango, nyata yango, tamara di corona yango, au nom de Jésus, ozo nyata, ozo panda, ozo buka, tomoka, ozo tomoka, ozo nyata rase, ozo loba, contre agnos, oe mebiga l'esclavage, nasa mohumbute, nazo pasola yango, e pazala, e pazala. Na kombo na Yesu. Ozo nyata. Kontra nyoso. Wee menyo na bohumbu. Yosa mohumbu te. Mboka no ezana ki bohumbu te. Keneko pasola. Keneko nyata. Keneko panza. Kontra wana. Wee bayango. Wee bayango te. O basinyela moi. Eza basinyela butu. E panzana. E pasuka. Au nom de Jésus. Panza yango. Bebisa yango. Bebisa misala na yango. Bebisa ngure na yango. Maybe some mandana yango, maybe some mission yango, au nom de Jésus, et opérete, et salate, et coquisamate, nabamo inayo, namoka kongo, pastora, panda yango, au nom de Jésus. Yoka. Esclave va somba kaye. Misolo nyonso yo bango ba jui pour la kote kayo. To avantage nyonso, oh bango ba jui. Pour la côté car on comme esclave, donc au bord de la et quand la maman la mongongo, moto a joué mongo, pour te le balater, au bongate, pour le comme esclave, la moto songolo, mongo a joué et quand elle voit. N'allez pas nanga, les lots, donc au son qui c'est la bango, au bacanza qui est la mission. Amen. Okoloba, contragnoso, contragnoso. Oh, pesi bazui na banguna langa. Oh, pesi bazui na banguna langa. Ekanga banguna bongo. Oh no, Jesus bongo. Ale tomoka, tomoka, tomoka. Lelo isa lelo, 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 lelo isa lelo. Tomoka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, contre Agnoso, oui, mais mi bon suis, na bangoule na biso, oui, mais mi bon suis, na moka na biso, na baïni na biso, bon suis, wana, et kangamango, et kangamabango, na mongongo, oh, valia, et kangamango, na mongongo, contre wana, ni solo wana, et kangamabango, ni solo basoa, et kangamabango, na mongongo, ni solo basoa. Misolo bateka ngana yo, misolo bateka mboko yo, eka ngababango, na mongongo, au nom de Jésus, ozo bondela, ozo loba, misolo balia, misolo basua, eka ngababango, na mongongo, au nom de Jésus, eka ngababango, na mongongo, e detrui bango, e belisa bango, e belisa bango ina bango, eka ngababango, Amen. 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 Amen
hotel ya Zambe bundisa mongulanga ete Là, je suis en train de vous montrer comment l'ennemi fait basculer un homme libre, un homme esclave. Celui qui sait combattre, il peut arrêter ce processus. La manière dont nous avons combattu, nous pouvons arrêter ce processus. Joseph a basculé un homme esclave. Joseph, mais il n'a pas voulu accepter ce statut d'esclave. Suivez-moi attentivement. Ce qui nous arrive, c'est parce que nous finissons par l'accepter. Tant que tu n'acceptes pas, ça finira par partir. Même dans un mariage. Si tu ne veux plus de ta femme, il va partir. Si tu ne veux pas de ton mari, finalement il va partir. C'est pareil avec le combat spirituel. Ce que tu ne veux pas, tu finiras par obtenir le divorce. Je vous demande de refuser tous les statuts que l'ennemi vous propose. Et comment Joseph a refusé. Je n'entre pas dans les détails comment il est passé par la maison de Potiphar, comment il est devenu un garçon de course de Potiphar, comment tout ce qui s'est passé dans la maison. Non, je vous réserve tout cela. Et ce que nous devons retenir, Joseph a refusé d'être esclave. Mais quand bien même on l'a placé dans la prison du roi, où il n'y avait que le roi qui devait le faire sortir de là, alors que lui ne connaissait pas le roi, il a refusé d'être le prisonnier éternel. Refuse tous les statuts que le diable te donne. Et tu verras que ce que tu cherches te cherchera. Ce que tu cherches te cherchera. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Joseph a combattu jusqu'à devenir premier ministre. Joseph a bouda qui était avant combattu premier ministre. Celui qu'on attendait comme esclave, il est devenu un premier ministre. Ce soir, je parle prophétiquement sur vos vies. On vous attendait à la mort, vous serez vivant. On vous attendait dans les divorces, vous vous marierez. On vous attendait dans les célibats, vous allez faire des gros mariages. On vous attendait dans la stérilité, vous porterez les enfants. Je parle prophétiquement que celui qui m'entend écoute la voix du sacrificateur. Là où on t'a
attendait, on ne te trouvera pas. C'est la bénédiction qui sera ton partage. C'est la bénédiction qui sera ton partage. Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Attendait Joseph comme un prisonnier. Joseph, qui meurt prisonnier, qui meurt esclave. Dieu l'a hissé au rang du premier ministre. Aujourd'hui, il y a une puissance qui est en train de te propulser vers le haut. À partir de ce soir, j'écris que ta vie soit au sommet. Dans les affaires, au sommet. Dans ton mariage, au sommet. Dans ton travail, au sommet. Dans la maison de Dieu, au sommet. Que ta vie soit au sommet. Que ta vie soit inscrite au sommet. Qui croit à cela? Pour ce grand cri de joie. Nous devons savoir que nous ne combattons pas seulement pour nous. Et c'est que Dieu m'a dit que nous devons pour nous. Nous combattons pour nous et pour notre postérité. Ça veut dire quoi? Nous combattons pour que ce que nous avons connu comme échec ne revienne plus jamais. Maintenant, il faut avoir maintenant la lecture spirituelle de l'identité d'esclave. Joseph a combattu et il est arrivé au sommet. Joseph a qui a combattu la sorgue. Mais dans le livre d'Exode chapitre 1, du verset 8 au verset 11, on nous dit que Joseph mourut. Joseph a il fallait que cette histoire s'arrête là. Mais il y a eu régénérescence de l'esclavage à l'Égypte. Un nouveau roi est venu. Il a écrit une loi pour ramener le peuple provenant de la famille de Joseph à l'esclavage. Joseph devait être le dernier esclave. Parce qu'il a combattu et il est devenu premier ministre. Mais comment il combat, il devient premier ministre, il meurt et son peuple redevient esclave. C'est là où il y a la profondeur de l'enseignement. L'esclavage, c'est un statut spirituel. Lorsque tu es déclaré esclave, ça veut dire que cette identité s'inscrit dans ton sang. Pourquoi ce roi a demandé que le peuple de Joseph devienne esclave? Parce que le sang de Joseph était le sang d'esclave. On n'a pas affranchi Joseph. Lui, l'homme, il a combattu, il a vaincu. Mais son sang est resté gravé esclave. Suivez-moi très bien. Lorsque le roi Léopold II nous considérait comme ses esclaves, c'est inscrit dans le sang de nos arrière-grands-parents. Voilà pourquoi, à l'époque, les rois, Léopold II coupait les mains de ceux qui n'étaient pas performants, qui ne lui donnaient pas la rentabilité qu'il attendait. Aujourd'hui, les Rwandais nous blessent lorsqu'on ne leur laisse pas nos richesses. Ça veut
veut dire que la même chose revient. La même chose revient. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans notre sang. Sur le plan spirituel, vous êtes des esclaves. Voilà pourquoi 4 générations se sont succédées en Égypte. Tous étaient esclaves de Pharaon. Tel que vous êtes là, vous ne le savez pas. Il y a des nations qui s'enrichissent sur ta richesse. J'ai la grâce d'arriver au Rwanda. Je suis descendu à l'aéroport du Rwanda. Et gestionné cette ville. Mais c'est une petite Europe. Je suis allé au Rwanda à l'époque. C'était un vieux village comme à l'époque d'Abiarimana. Mais quand je suis allé à l'époque de Kagame, mais il faut regarder la pauvreté de la ville. Il faut regarder les nouvelles cités qui sont en train de construire. C'est-à-dire, il faut regarder tout est planifié comme en Europe. C'est un pays montagneux. Mais lorsque vous regardez la manière dont ils construisent, même à partir de l'aéroport, mais vous entrez même à la cité. Les papiers par terre. Tout vient de l'argent. Ta richesse. Ta richesse à toi. La richesse de l'esclave. Échappée par son maître. Qui peut accepter que son maître soit le Rwandais? Non, je n'entends rien. Je n'entends rien. Jamais. Si nous avons refusé les Belges, nous n'accepterons pas les Rwandais. Mais le problème c'est quoi? C'est qui est inscrit sur notre sang. Les Rwandais partiront. Vous avez suivi le vice-président de Tanzanie qui dit que nous rentrerons en RDC, nous viendrons parce qu'ils sont des fainéants, on va prendre les richesses. C'était une femme. Ça veut dire que les Rwandais partiront. Puisque sur notre sang, c'est inscrit esclave. Les mondes des ténèbres suscitera un maître pour venir briser. Comment libérer le sang de l'esclave? C'est ce qu'on va voir demain. Comment libérer les hommes? Très souvent, nous combattons charnellement. Moïse a tué les geôliers qui gardaient son peuple. Ça n'a pas changé l'histoire du peuple d'Israël. Nous pouvons tirer sur le Rwandais. Mais il y aura toujours un autre maître qui sortira. Nous avons commencé avec les Léopold II. Nous avons eu la Belgique. Aujourd'hui, on parle de Rwanda. Mais nous avons vu aussi la Zambie vouloir prendre aussi ce qui nous appartient. Pourquoi tous veulent venir prendre? Pourquoi tous veulent venir prendre? Les raisons sont spirituelles. C'est nous. C'est notre statut d'esclaves qui les attirent. Les mouches suivent la senteur de poisson. Les forces spirituelles suivent la marque des esclaves. Comment libérer le...
le sang de l'esclave. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes esclaves de quelqu'un, de quelque chose, d'une force. C'est tout que le pays est pris en état, en otage. Et demain, je vais vous montrer la formule comment libérer le sang d'un esclave. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous allez arriver à l'heure? Il y a des gens qui sont esclaves d'une maladie. Demain, cette maladie partira. Il y a des gens qui sont esclaves de la condamnation familiale. Puisque je vais vous enseigner sur la libération du sang de l'esclave, tout celui qui est esclave d'une force de quelqu'un, il va être libéré demain. Qui croit à cela? Qui croit à cela? Si tu crois à cela, fais des bruits, crie que cette salle bouge. Vaut mieux être esclave d'un homme physique que d'être esclave des forces spirituelles. Parce que les commandements sont invisibles. Toi, tu penses que c'est toi qui agis. Tu penses que c'est toi qui choisis. Or, ce sont ces forces qui te conduisent. Lorsque tu es esclave des forces spirituelles, vous allez découvrir. Les enfants d'Israël étaient dans un grand pays comme l'Égypte. Un grand pays qui est plus grand que la RDC. Mais ils étaient incapables de sortir de ces frontières. Qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi ils n'ont pas fouillé et traversé? Demain, lobby, c'est que je vais vous donner va être supérieur même à la formule mathématique. Ça va vous conduire à des miracles que vous n'allez pas espérer. La libération du sang d'esclave. Acclamez le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, lobby. Soyons à l'heure. Ce sont des enseignements profonds qui nous donnent la connaissance des choses spirituelles et qui apportent l'impactation sur le plan physique. Si vous voulez prendre au sérieux, prenez-le au sérieux. Si vous voulez le prendre à la distraction, prenez à la distraction. Mais ce que je vous donne, ça peut totalement changer votre vie. Nous allons nous lever et on va faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élévons.
Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te bénissons et recommandons ton peuple. Que ces enseignements éternels puissent nous apporter la délivrance et les concrets de délivrance dans notre vie. Nous te recommandons chacun de tes enfants qui ont participé à ces programmes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Il y a des gens qui ont pris les engagements, s'ils peuvent les déposer au-dessus.